Pourquoi nous sommes venus à Kinshasa? Bah, parce que c'est la ville où on fait la finale. Hein. C'est le plus grand festival. C'est le plus grand casting d'humoristes panafricains. Cette scène, c'est une scène qu'il faille que je fasse. Participer au premier Montreux, pour moi, c'est un défi que je m'étais lancé depuis et que je suis en train de réaliser. Donc, je suis vraiment très heureuse d'être déjà à la finale. C'est pas donné à n'importe qui. Surtout, en tant que femme, je tiens à y participer, je tiens à gagner pour montrer que la femme peut. Je veux montrer que nous aussi, nous pouvons prendre les devants. Je veux montrer que nous avons aussi un talent immense. Je veux montrer que au devant de la scène, on peut voir encore plus de femmes. Je veux montrer que l'humour n'est pas pour un genre. Je pense que le casting de mon premier Montreux, c'est une grosse opportunité de carrière et surtout une belle expérience. Au-delà de l'objectif qui est d'aller se produire en Suisse, c'est aussi gagner en expérience. C'est des liens d'amitié qui se tissent, c'est de la découverte de nouveaux pays, de nouvelles personnes. Il faut vraiment le vivre. C'est pourquoi j'invite tous les humoristes dans tous les pays d'Afrique. Même si tu peux voyager pour venir dans un pays où le casting se produit, fais le casting, frérot, c'est magnifique. Il faut savoir que mon premier Montreux est une initiation du groupe Castel. Le groupe Castel qui est présent en Afrique via plusieurs brasseries. Et l'idée, c'était vraiment de soutenir les talents africains, de mettre en avant ce côté effort qui tend vers la réussite et de soutenir de cette manière-là aussi la population locale. Bonjour, moi c'est Khadija Kissatina, je viens du Bénin et je suis le seul homme du groupe. En développant ce concours, ça permettait à ces jeunes talents africains justement de se mettre à l'épreuve d'abord et aussi de pouvoir montrer de quoi ils étaient capables. Je viens de la Côte d'Ivoire et j'ai été coup de cœur du jury au Bénin. Quoi ne pas aimer avec moi, n'est-ce et pas. Finalement, en tout cas pour le gagnant, de pouvoir réussir comme le dit si bien le message de la marque, pour célébrer cette réussite. C'est stressant, c'est vraiment stressant. On va faire ce qu'on peut et puis voilà. Claudel Martial ! On fait du bruit ! Si la planète se réchauffe et explose, tout le monde meurt, on arrive au paradis et Dieu vient, paf ! Oh, vous là, qui a gaspillé ma planète ? Moi, en tant qu'Africain, je vais faire c'est eux. Je ne pense qu'au regard du public et à la connexion que je vais créer entre lui et moi, c'est tout. C'est chaud. Kadi ! En fait, être mince, c'est comme être dans le coma. Ta vie ne tient qu'à un fil. Hier, par exemple, mon père m'a dit, Kadi, accroche-toi bien à la chaise. Je veux ouvrir la fenêtre. Voilà, on était à l'aise, on a kiffé le moment et puis c'était bien. Je pense que c'était bien. Je pense que c'était bien. Bon, le jury, je ne sais pas. On les attend. Si je gagne. Et ben voilà, c'est à moi de vous annoncer que cette année, à Montreux, nous allons accueillir une candidate qui vient du Bénin, Kadi. Encore une fois de plus, le Bénin. Mesdames et messieurs, voici la gagnante de la troisième saison de mon premier Montreux by Castel Beer. Eh bien, je pense que cette victoire, c'est ce qu'il me fallait pour débloquer plein de choses, pour ouvrir plein de portes. Et je pense que ça y est, j'aurai plein d'opportunités. Et vraiment, je suis très contente.